Lors de la création d'un environnement d'apprentissage inclusif, il est important pour tous les intervenants d'avoir une bonne compréhension du terme « inclusion » et de s'engager à rendre cette vision réelle. Cela nécessite une communication claire des valeurs et la mise en place d'une culture d'inclusion dans l'école et au sein de la communauté. Dans un environnement d'apprentissage inclusif, tous les élèves sont sous la responsabilité de tout le personnel, sans exception. Il n'existe aucune distinction entre mes élèves et tes élèves dans un environnement inclusif, et cela doit être clairement indiqué au début de chaque année scolaire. Un environnement d'apprentissage inclusif repose sur la collaboration entre les parents et une communauté d'éducateurs, et cela ne peut s'accomplir lorsque seuls quelques-uns des enseignants ou parents sont inclus dans la conversation. Alors, la direction doit exposer leur personnel à l'inclusion à chaque occasion. Lorsque la réunion du personnel a lieu, c'est une belle occasion d'en parler. Lors des journées de développement professionnel local ou commune, en donnant aussi la parole à des enseignants qui ont le goût, qui ont fait des preuves et qui ont fait des essais, qui ont le goût de partager leur expérience aux autres enseignants. Il faut permettre ces échanges-là de collaboration entre le personnel école et parfois entre différentes écoles de notre conseil scolaire. La direction peut aussi nommer des chefs de file dans son école qui peuvent participer, collaborer à l'élaboration d'un plan triennal dans l'école en fonction de cette nouvelle vision qui est l'inclusion scolaire. Pendant les réunions du personnel, il est très important pour nous de s'assurer que les professeurs ont l'opportunité d'être engagés et de partager leurs idées par rapport aux stratégies que nous utilisons avec les étudiants. La vision de l'inclusion commence par les administrateurs et la façon dont ils démontrent cette vision déterminera la culture de l'école. Cet environnement dépend souvent du soutien des spécialistes et des parents au sein de la communauté scolaire et il revient aux administrateurs d'établir ces relations et de développer ces liens. Il pourrait s'avérer utile de planifier une ou deux réunions de parents pendant l'année afin de discuter du modèle inclusif et répondre aux questions. Les parents doivent être informés de tout ce qui se fait à l'école, des valeurs et des visions. Ça peut se faire lors du conseil d'école, évidemment, mais aussi lors de soirées d'information. Notre classe pilote a vécu une soirée d'information pour présenter toute cette philosophie à des parents qui n'ont pas vécu ça lorsqu'ils étaient à l'école. Donc, ils ont besoin qu'on leur donne des exemples concrets, qu'on leur explique. Une autre façon de le faire, c'est passer par les enfants eux-mêmes. Lorsqu'on ouvre nos portes aux parents, on les invite à venir en classe. Exemple, quand on a un projet qui vient de se terminer en classe, les élèves sont capables d'en parler, de présenter leur démarche, comment ils ont fait pour arriver à réaliser un produit fini. Les parents peuvent comprendre le processus derrière, ils peuvent mieux voir vers quoi on veut aller à l'aide de cette philosophie d'inclusion. Chaque mois, nous avons des réunions avec les parents et pendant ces réunions, nous mettons de l'importance à partager tous les projets que nous avons faits avec les étudiants pendant ce mois afin de les informer. Et notre website est aussi une autre manière que nous utilisons pour célébrer les succès que nous avons avec nos étudiants. Les élèves doivent participer de façon active aux discussions sur l'inclusion et doivent se sentir libres de donner leur opinion sur le choix des soutiens les plus appropriés à leurs besoins d'apprentissage. Les enseignants doivent prendre le temps de parler des différents styles d'apprentissage, de partager l'information sur les divers soutiens disponibles, de présenter les technologies d'aide à l'apprentissage et d'établir les profils d'apprenants de leurs élèves. La prise de conscience en classe que chaque élève est unique aidera à défendre ses intérêts et à éliminer le stigmate souvent associé aux besoins du soutien. Mais je pense qu'en début d'année, l'enseignante doit avoir
un climat de confiance et de respect dans la classe, la première chose. Parce que si on veut accepter les différences, on doit respecter les autres. Je pense aussi que les enfants sont très habiles pour aller voir les différences physiques. Ah, la taille, la grandeur, la couleur de la peau, la couleur des cheveux. Mais je pense qu'il faut les pousser un petit peu pour voir des différences qui sont moins visibles, des différences qui sont moins concrètes, comme le style d'apprentissage ou les types d'intelligence. Alors, je pense qu'avec des histoires qui vont les faire réfléchir ou juste leur raconter des histoires de la vie courante, des événements qui se sont déjà passés, les enfants peuvent faire des liens avec des personnages. Alors, des fois, ils vont s'identifier à des personnages de l'histoire, mais c'est fictif. Les enfants vont faire des liens aussi. « Ah, oh, tel élève, c'était comme tel personnage dans l'histoire. » Donc, je pense qu'avec des histoires, on peut les faire réfléchir. Puis, les enfants sont à l'âge de... Avec beaucoup d'imagination, ils vont se créer des personnages. Donc, ils peuvent faire vraiment des liens pour s'identifier avec les personnages d'une histoire. Puis, ça me fait penser aussi, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait un récit qui a été écrit par... Je me souviens plus qui. Ça disait que dans un village, les individus ne sont pas tous pareils. Ben, je pense que la classe, ça devient un petit peu comme le village, puis chacun peut contribuer à sa façon. Alors, même si on ne prend pas les mêmes chemins, tout le monde va pouvoir arriver à un objectif commun puis participer à la vie de la classe. Je pense par le modelage. L'élève peut lui-même être témoin des façons de faire vivre l'inclusion. Puis par l'enseignement explicite de ce qui est l'inclusion, puis expliquer les appoints qui sont offerts dans la classe et démontrer qu'il ne s'agit pas de favoritisme, mais que c'est plutôt une façon d'aider cet élève à arriver au même résultat que les autres. Puis juger le moment opportun pour expliquer aux élèves la difficulté de l'un ou de l'autre, ce qui favorise l'empathie et l'entraide les uns des autres. Partager la vision de l'inclusion est une étape cruciale dans la création de communautés d'apprentissage inclusives. Les administrateurs ont la responsabilité de guider personnel, parents et élèves dans la vision de l'inclusion. Sans une direction bien définie, il peut s'avérer très difficile pour les enseignants de fournir les soutiens nécessaires à tous les élèves. Les environnements d'apprentissage inclusifs sont la responsabilité de tous les enseignants, spécialistes, parents et élèves. Et il revient aux administrateurs de partager cette vision et de s'engager dans cette nouvelle voie.